Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de mon automne pack, ma pack de l'automne. Voilà, savoir est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Waouh, mystère. Attention, attention, roulement de tambour. Donc, comme d'habitude, je me prévois 15 livres, entre guillemets, illustrateurs. Et voilà, quand je sais pas trop quoi colo ou quoi, bah, je pioche dans cette liste-là. Voilà, quand je sais pas trop quoi colo, pop hop, je pioche un livre et après je feuillette mes bouquins. Et s'il y a un livre qui me tente à l'instant T, voilà, je me prévois pas de colo en priorité parce que mes avis changent rapidement. Donc je devais aller dans le From Halloween to Christmas. On va changer, voilà, comme ça. Parce que je l'avais toujours pas entamé malgré toutes les années. J'ai fait celui-ci. Voilà. Il a été fait en partie en live, me semble-t-il. Enfin, il y a beaucoup de colos de toute manière maintenant que vous retrouvez dans mes colos terminés. Ou, voilà. Principalement, je fais tout en live. Étant donné que je fais 3 lives par semaine, voire plus, voilà quoi. Vous voyez forcément mes encours et. Mes finitions, tout ça. Donc voilà pour celui-là. Donc 1 point. Ouais. En deuxième, je m'étais mis le C'est la fête. Alors, donc c'est un grand carré. J'ai fait. Il est où? Bien comme ça vous voyez un peu les colos qui sont dedans, mais j'ai fait, ah voilà, j'ai fait Tiana et Navin. Je suis pas spécialement satisfaite de mon fond. Les nuages ça passe, mais le fond je suis pas comme une dingue. Voilà, mais bon, faut que je progresse encore. Et Tiana n'est toujours pas assez typé, je trouve. Je la fais pas encore assez black. Ah. 2 sur 15. Ensuite, le Ask Sansuga. Oh, celui-là, il passe un petit peu. Voilà, j'ai un petit peu fait la facilité. Hein, j'avoue, j'ai fait juste ce petit truc. Voilà. Mais c'est un colo. D'accord? Mais non, je suis pas allée dedans cette année. Enfin, cette année. L'année dernière plutôt, on est en 2024, meuf. Donc non, je n'y suis pas allée. En 2023, il va vraiment falloir que j'y retourne. Parce que je l'aime beaucoup, ce livre. Puis, le vintage. Où j'ai fait un colo de Noël. Voilà, pareil, il a été fait en majeure partie en live. Mon petit colo. J'aime toujours pas le papier, mais bon, j'aime les illustrations. Donc voilà. Pareil pour celui-là, j'aime pas trop le papier non plus. Donc dans le Cute and Creepy, j'ai fait celui-ci en duo avec ma casounette d'amour. Voilà. Allez, pour l'instant, hein, je carbure, hein. Pour l'instant, c'est bon, hein. Alors, le Bonomi Grand Classique ensuite, je devais y aller. Et j'ai fait la page de Peter Pan. Voilà. Ça m'en fait 2. Ouais. Il faudrait que j'y retourne. Quand je vois Mademoiselle Disneyland qui tourne les pages et. Oh là 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 là. Ça... C'est si satisfaisant. Ils sont si beaux, ces colos. Un jour. Je devais aller dans le Witches que moi j'ai en PDF. Voilà. Where is my colo? Ah, j'ai fait celle-ci.
des petites witch. Voilà, j'ai fait cette petite witch là. Ensuite, pardon, madame Léla. Je devais faire un marque-page. Donc je suis allée dans le marque-page vintage. Voilà, parce que je devais l'entamer. Donc voilà, de pire de coup, on en profite. Je fais celui-ci. Il faudra peut-être que je le plastifie. Même si je le laisse à l'intérieur, je n'ai pas y pensé. Je devais faire du Kirby. Et bah, j'en ai fait deux finalement. Enfin, j'ai fait cette double page. Je l'ai commencé en live, me semble-t-il. Je l'ai commencé en live et je l'ai terminé hors live. Alors, c'est où je stream pas. Donc, c'est dans le Color Morphia. Donc, c'est édition. C'est Lomart, ça. Ouais. Lomart. Mais je me suis éclatée à le faire. Franchement, je suis vraiment satisfaite. Donc, j'ai fait celui-ci. Et pour un défi de Gaël, j'ai entamé mon Au confins du cosmos. Donc, là, c'est chez Marabout. Voilà, je fais celui-ci. J'ai fait deux Kirby. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, je devais aller dans le Bodoni Nature. J'y suis allée. On va faire un peu de suspense quand même. Oui, c'est vrai que la page d'après, la page de derrière, elle a pas kiffé. Mais c'est pas grave, le colo est pas ouf. Je compte pas faire tous les colos de tous mes livres, hein. C'est pas mon but, mais vraiment pas. Je compte vraiment faire les colos dont j'ai envie de faire à l'instant T, quoi. Je vais pas me forcer à terminer un bouquin, non. Non. Donc j'ai fait celui-ci. Pareil, il a été fait en partie en live. Et voilà, c'est mon colo préféré du livre. Vous le retrouvez complètement gâché dans le 4 saisons. Voilà. Là, il est le trop beau. Par contre, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait un arbre vert alors que c'est l'automne. C'est peut-être le printemps, il reste des feuilles mortes, je ne sais pas. Hein, voilà. Mais voilà, j'ai kiffé le faire. Et je kiffe mon colo. Voilà. L'adore ce colo. Et celui-ci, non, je sais plus quand c'est que je l'avais fait celui-là. Mais bref. Je l'ai fait. Ensuite, le Rita Berman. J'ai fait quoi dans Rita Berman? J'ai fait. Ah oui, ma page favorite. Voilà, j'ai fait celui-ci pour mon Autumn Pack. Là, je suis en train d'en faire une autre, mais. Et puis, j'ai fait celui-ci aussi. Ça date de l'automne, celui-là? Enfin, bon, bref, de toute façon, j'en ai fait. Que ce soit celui-là ou celui-là, je sais plus quand. Les dates. Et puis, je note pas, du coup, là. Sur les livres comme ça, je note pas. Non, c'est sûr, il y a celui-ci qui a été fait en décembre, c'est sûr, et celui-là a dû être fait novembre, je pense. Mais donc voilà. Peux pas dire que j'ai pas fait. En 12e, je devais aller dans l'histoire éternelle. Alors là, je sais plus forcément ce que j'ai fait. C'est vrai. Vous voyez? Je redécouvre, je savais plus. Donc j'ai fait Judy et attendez, j'ai un trou. Je ne sais plus comment s'appelle Nick. C'est Nick. Voilà. Pareil, j'ai kiffé le faire. Pareil en live, en bonne partie. Donc voilà. La pile va se casser la gueule. Je devais faire des PDF. Par contre, je ne sais plus. Bah, j'ai fait des PDF. Hein, non, j'ai fait du Chris Lignac. La page était notée tout à l'heure, mais bon, j'ai filmé la vidéo des colos terminés. Bilan, tel n'est plus marqué.
Voilà, j'ai fait ceci. Donc, j'ai fait des... Oui, j'ai dû en faire d'autres, mais franchement, je sais plus. Lesquels? J'ai pas noté. Je devais aller dans un Colorless Teens, mais vous l'avez vu, j'ai fait... Ouais, c'est celui qui se détache, celui-ci. Donc j'ai fait celui-ci, c'était pour le défi cocooning de Didi, de Didiac. Donc voilà. J'ai bien amusé à le faire. J'aime beaucoup. Et en 15e, on est sur un tout pile. Tulu. Ouais, allez, calme-toi, meuf, calme-toi. T'as fait quoi dedans? Cet hiver? Je suis en train de me demander. C'était celui-là? Et vu que je l'ai fait en duo avec mon amie princesse. J'espère que vous m'entendez bien, oui, ça. J'ai eu peur. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Tu sais de quelle date? Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. Heureusement que je vérifie, hein. Je l'ai fait au mois d'octobre, hein, ça date, hein. Donc voilà. C'était celui-ci que j'ai fait avec Cléa. Voilà. Donc on est à 15 sur 15. C'est encore un carton plein pour cette pack. Je suis fort contente. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne vraiment bien pour moi, les packs. Enfin, les packs de saison. À voir si ça va continuer dans le temps, parce que bah, cette année, j'espère sortir de cette dépression, sortir de mon burn-out et pouvoir enfin reprendre une vie active, professionnellement parlant. Donc, ce qui devrait faire que bah, je colorierai moins, j'aurai... Plus la possibilité de faire autant de live, en espérant pouvoir toujours en faire un petit peu. Mais bon, voilà. Donc forcément, le colo va en pâtir. Je le sais. Donc on continue. J'ai déjà prévu ma pack, ma winter pack et ma spring pack hein, quand même. Voilà. Il y a des moments où je dois m'ennuyer, je pense. Et voilà, je me prépare déjà des trucs. Alors qu'il y a des choses qui vont... Car il y a des nouveaux livres qui arrivent. Bien entendu. Bien entendu, vous avez cru que j'étais sage. C'est non, non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas sage. Donc oui, il y a forcément des nouveaux livres qui rentrent dans ma colothèque. Bilan, et bah, il faut que je prévoie de les mettre dans mes futurs packs. Voilà, pour... Les entamer un jour. Donc oui, mes packs me servent essentiellement à me mettre des livres non entamés. Et voilà, je me dis, tiens, hop, je les glisse. Ou sinon, c'est des vieux livres que j'ai. Ou vraiment des livres que j'ai envie de continuer. Bah, qui me font envie sur le moment. Et du coup, bah, je les mets dedans. Là, ça me fait penser, oui, les petits carrés, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit carré. Mais ouais. Donc il va falloir que je me. Enfin, on va voir ça. D'ici la semaine prochaine, je pense que je vous mettrai la vidéo de ma Winter Pack. On va voir du coup les livres, les illustrateurs que j'aurai décidé d'inclure dedans. Et si jamais il y aura des illustrateurs, des livres de colo que vous avez, si vous voulez qu'on fasse un duo, ça sera avec plaisir. Voilà. Et si jamais on s'était quelqu'un d'entre vous. On avait dit que oui, on ferait un duo et que je vous ai oublié. N'hésitez pas à me relancer. Hein?
parce que moi et ma mémoire en ce moment, c'est on n'est pas la même personne. Je me souviens de rien, si je note rien, c'est un enfer. Donc, si jamais on s'était prévu un duo et que c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à me relancer. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bah, du coup, pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, prenez soin de vous et des gros bisous.